Marcel, André, Henri, Félix, Petiot. Le docteur Petiot. Ou peut-être bien le docteur Satan. Marcel Petiot naît à Auxerre le 17 janvier 1897. Enfant, il montre déjà des signes de pathologie mentale. Il est vicieux, torture les animaux, est kleptomane et a des tendances bipolaires. Cependant, il est très, très intelligent. Son intelligence le pousse à entamer des études de médecine, qu'il abandonne durant la Première Guerre mondiale en devançant l'appel pour s'enrôler dans l'armée. En 1917, il est blessé au pied. Accusé de vol de couverture à l'hôpital où il était soigné, il fait son premier séjour en prison, à la prison militaire d'Orléans, avant d'être transféré dans le service psychiatrique de l'hôpital de Fleury-les-Aubrais, où les psychiatres le déclarent neurasthénique, déséquilibré mental, dépressif paranoïaque et sujet à des phobies. Mais cela ne l'empêche pas de finir ses études de médecine en 1921. Désormais, c'est le docteur Petiot. En 1922, il ouvre son premier cabinet médical à Villeneuve-sur-Yonne. Mais il continue à avoir des tendances kleptomanes. Malgré cela, il devient très populaire auprès de la population, notamment auprès des indigents à qui il offre consultations et vaccinations gratuites. Puis il se lance en politique. Il est élu conseiller municipal en 1925, puis maire en juillet 1926. Il épouse alors Georgette Valentine Lablé, fille d'un commerçant local et propriétaire du restaurant parisien chez Marius. Mais le docteur Petiot est un homme d'argent et de crime. Il fait de fausses déclarations à l'assurance maladie, détourne des fonds, trafique son compteur électrique. Il fuit alors la justice et s'installe à Paris avec son petit magot. En 1936, il est arrêté pour vol à l'étalage à la librairie Gibert. Il affirme à ses juges qu'un génie ne se préoccupe pas de basses choses matérielles. Déclaré aliéné mental, il échappe à la prison, mais il est interné 7 mois. Rendu à la liberté, il reprend tranquillement ses consultations. Le 11 août 1941, il acquiert un hôtel particulier au 21 rue Le Sieur. Il y réalise d'importants travaux pour en faire l'antichambre de la mort, avec une pièce triangulaire insonorisé et équipé d'un œilleton. À partir de 1942, il propose un passage clandestin en Argentine à des personnes craignant d'être poursuivies par la Gestapo qui sévit alors à Paris. Les candidats sont invités à se présenter chez lui, de nuit, munis d'une valise contenant bijoux, espèces et argenterie. Sous le nom de docteur Eugène, il recrute des rabatteurs. Les prétendants au voyage disparaissent mystérieusement sans atteindre l'Amérique du Sud. Pas même Yvan Dreyfus, un prisonnier envoyé par la Gestapo pour infiltrer ce bien étrange réseau. Mais en mars 1944, un événement perturbe ses affaires. Un incendie se déclare dans l'immeuble. Les pompiers pénètrent à l'intérieur. Et là, l'horreur. Un véritable charnier, des corps en morceaux qui brûlent. Petiot, contacté, arrive sur place, parvient à bricoler un mensonge et s'enfuit très vite. La police perquisitionne le lieu. On y trouve 72 valises et 650 kilos d'objets divers, dont 1760 pièces d'habillement. Il paraît clair que ce lieu est le repère d'un monstre. En fuite, Petiot s'engage dans les forces françaises de l'intérieur, sous le nom de capitaine Valéry. Le désordre qui règne alors en France lui permet de disparaître.
À la Libération, un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Mais il reste introuvable. Jacques Yonnet, lieutenant à la DGER, a une idée. Il publie dans le journal Résistance un article provocateur intitulé « Petiot, soldat du Reich ». Imprudent, Petiot utilise son droit de réponse. Il tombe dans le piège. En effet, Petiot était profondément contre l'idée qu'on puisse le considérer comme un collabo, lui qui était un ancien soldat de 14-18. Finalement, Petiot est arrêté. Durant son procès, Petiot a une ligne de défense. Il a tué, oui, mais pour la France. En effet, il affirme que tous ces corps retrouvés chez lui sont ceux de collabos et d'allemands, et qu'il méritait la mort, qu'il a tué pour la France, pour la patrie, qu'il est un vrai résistant. Mais le juge n'est pas dupe. On fait amener dans le tribunal toutes les valises retrouvées chez lui. On va jusqu'à déplacer tout le tribunal sur les lieux du crime, l'hôtel particulier du 21 rue Le Sieur. Durant les auditions, Petiot montre une attitude désinvolte. Il va même jusqu'à s'endormir durant les délibérations. Malgré une plaidoirie de 6 heures prononcée par son avocat Maître René Floriot, Petiot est condamné à être guillotiné pour le meurtre de 24 personnes. Au matin de l'exécution, l'avocat général Pierre Dupin le réveille. « Ayez du courage, Petiot, c'est l'heure !» Petiot, en colère, énervé, lui rétorque « Tu me fais chier !» Comme Landru, avant que le couperet tombe, il déclara à son avocat « Je ne vous dirai rien. Je pars avec mon petit bagage. Il est à moi. » Malgré tout, Petiot était soucieux de laisser une bonne image de lui à Maître Floriot. Il lui demanda clairement de ne pas regarder l'exécution. Sa phrase restera célèbre. « Ça ne va pas être beau. Ne regardez pas. » Cependant, un mystère demeure toujours. Où est l'argent? En effet, toutes ces victimes, principalement des juifs et quelques voyous, arrivaient à l'hôtel particulier avec de grosses sommes d'argent. Les nouveaux propriétaires du 21 rue Le Sieur ont cherché en vain, dans les murs, dans les plafonds, dans les meubles, dans la cave, ce trésor, estimé à plus de 30 millions d'euros. Petiot eut aussi le droit à son film, Docteur Petiot, en 1990, avec Michel Serrault dans le rôle principal. L'affaire Petiot est à rapprocher de celle de Landru. En effet, on trouve de nombreux points communs. Une période de guerre, un homme intelligent, à qui on fait confiance très facilement, et qui est un homme en réalité monstrueusement vénal. Mais on considère que Landru n'a tué que 11 personnes, alors que Petiot fut reconnu du meurtre de 27 personnes, et que lui affirma en avoir tué 63. Mais attention, pour la France, toujours. Petiot est pour moi un vrai psychopathe, un tueur en série vicieux et vénal, qui avait des envies de meurtre, et qui profita du contexte de l'occupation pour assouvir ses désirs meurtriers et son envie de s'enrichir. Vacher était un vagabond, Landru était un escroc, Petiot un médecin. Comme quoi, tous les chemins peuvent mener au meurtre en série. Alors, pourquoi pas un rédacteur dans un magazine? Allez savoir. Ladies and gentlemen, je vous remercie de nous avoir suivis dans ce voyage dans le monde fascinant et effrayant des tueurs en série. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter et regardez, je crois qu'il y a quelqu'un juste derrière vous. Bonne nuit.